C'était pas prévu. C'est sur cette ambiance un petit peu rougeâtre que nous allons aujourd'hui jouer à un Rage Simulator. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue. Nico, El Famoso, youtubeur français, créateur de jeux vidéo de Rage, a sorti un Rage Simulator sur mobile. Et c'est le jeu que nous allons tester aujourd'hui. Bienvenue sur cette... Attendez, je lance le jeu parce que je ne l'ai pas ouvert. Ok, c'est parfait. Il est juste là. Rage Simulator mobile. Et du coup, si j'appuie là, il se passe quoi? C'est quand même agréable. Il se passe rien, mais c'est agréable d'avoir la... Oh si! Je crée un dessin, j'avais pas capté. Oh! Et c'est parti pour l'histoire du petit jeu! Chargement! Il était une fois à Rabbit Town, le maire. Chers citoyens, l'heure est grave! Un méchant lapin saccage nos plantations de carottes. Oh, quel dur problème pour la société. J'ai besoin d'un volontaire pour nous aider à repousser ce méchant hors de la ville, hors de chez nous. Moi, je m'en occupe, s'il vous plaît, monsieur le maire. Oh, merci. Sachez maîtriser votre rage afin d'arriver à bout de ce monstre. Ouh là là. Trouvez votre première mission en parlant aux villageois, on voit pas grand chose. Utilisez la main pour interagir, ok. Et donc du coup ça se joue comme ça. Alors pour vous, vous ne le voyez pas actuellement, mais du coup je joue avec l'espèce de petit joystick qui est en bas à gauche. C'est ça que vous voyez tourner, vous à la caméra vous voyez pas, mais enfin au gameplay vous voyez pas mes petits doigts du coup. Et j'appuie sur le petit triangle en fait pour faire des sauts. Ils m'ont dit que je devais faire quoi? Je devais parler aux habitants pour trouver des indices. Bonjour petit vendeur de hot dog, dis-moi tout. Qui veut une glace? Bonjour jeune aventurier, tu souhaites accéder à la rivière? Laisse-moi t'aider. Abracadabra, d'un niveau, la mer descendra. Pff, ok, le mec, c'est le maître de l'eau. C'est bon, tu peux accéder à la rivière, fais preuve de courage et de patience. Le mec est ultra puissant, ultra cheaté, il possède le pouvoir de l'eau, il peut contrôler l'eau, il peut envoyer un raz-de-marée dans la gueule du méchant qui nous embête. Mais non, il se dit, non, je vais juste... Je te crée un passage. Oui, d'accord. Parce que du coup, je pouvais plus sauter si j'appuyais pas sur le... Oula. Attends, mais il y a un coffre à côté. C'est un mur invisible. Je peux marcher sur l'eau. Je ne comprends pas tout. Est-ce que je peux rentrer? Oui, on peut rentrer dans la maison. Un lapin vert. C'est un pêcheur. Oh, vous devez être notre héros volontaire au nom des habitants de Rabbit Town, je vous remercie. Je souhaite accéder à la rivière. J'ai vu un coffre. Je pense qu'il peut m'être utile. L'accès est dangereux, mais j'ai confiance en vous. Je vous laisse y aller. Terminez le parcours sans rager. 3, 2, putain, quoi? Quoi? 3, 2, 1, go. Quoi? Ah, il faut d'abord sauter et ensuite swiper, c'est ça? 3, c'est long. 2, 1, go. Waouh, ok. Il faut sauter, puis ensuite swiper. Ça va être long, ça va être dur. Oh là là, je me concentre. Non, non, j'ai sauté trop tôt. Quelle espèce de con que je suis là. Ok, ça tourne. Il y a des caisses. J'imagine que j'ai pas besoin de swipe, mais juste j'ai besoin de les éviter. Oh putain. Ok. Je stresse. Je veux pas tout recommencer. Non. Moi, enragé. Je vois pas de quoi tu parles. Ok, j'ai passé le moment. Je repars là. Je vais là. Je vais là. Je vais là. Je vais là. Oh putain. Non, c'est bon. Quoi? Au-dessus? J'ai voulu passer en dessous, mais on m'a jamais appris à passer en dessous. Allez, dis-moi que c'est bientôt fini, s'il te plaît. Oh, ça a l'air d'être encore un petit peu long. Je vais où là? Oh putain, je vais où là? Oh putain, je vais où là? Ah, d'accord. Ah, d'accord. C'est rigolo. Ok. Putain, et en plus j'ai tapé mon téléphone sur le bureau. Mais c'est pas grave, étant donné que je possède les coques Rhinoshield de Pharaon. Ce jeu... Mais... J'ai sauté directement dans la caisse, je suis trop con. On n'est pas loin de la fin, là où on est mort, ça peut le faire. On est mort juste après. Saute, saute. Ok. Attention, c'est pas fini. Oh putain, c'est pas fini. Droite, gauche, droite, gauche, gauche. Encore à droite, encore à gauche. Vous stressez autant que moi, je le sens. Vous avez confiance en moi? Putain, c'est bon, c'est pas fini, putain, mais Nico, il y a zéro sauvegarde dans ton jeu, t'es sérieux? J'y arrive! Qu'est-ce qui se passe, mon dieu, c'est la... Ok, ça va être là, le moment de la planche super dure à placer. Ah, c'est que le jeu a ralenti? Le jeu a ralenti? Ce petit coquin, le jeu a ralenti un moment, c'est incroyable ça. Il y a le coffre, il est là-bas, je le vois, putain, je suis à la ligne d'arrivée. J'ai pas le droit de me louper. S'il te plaît, le jeu. S'il te plaît, que trois planches.
Blanche, tu peux le faire. Ah, je saute au cas où. J'ai réussi, putain. Bravo, vous avez récupéré la clé. Yes. Ça va, comme premier niveau, ça va. Il y a plus dur, sinon ça va. J'ai pas lu à quoi permettait la clé. Ah, oula. Ouh. Pourquoi tu es là, gamin? Tu ne peux rien faire contre moi. Passe ton chemin. Allô, monsieur le pêcheur. Laisse-moi rentrer chez vous. Il est mort? Oh, what the fuck. Voulez-vous ouvrir la cage du monde des oiseaux? Ben oui. Faisons avancer le gameplay. Oh putain, c'est un portail. Tchou. Ah non, putain, je croyais que j'allais tomber. Ah si, c'est ça, oui. Et là, flash blanc. Ta-ta-ta-ta-ta-ta. Alors, le monde des oiseaux. Attention, qui s'y frotte, s'y pique. Essayez de terminer le niveau afin de vous procurer un lance-roquette. Waouh, c'est violent, ça a changé les jeux de Nico. Oh, j'ai droit à utiliser mon double saut. Oh putain, les contrôles, c'est pas ce qu'il y a de plus simple. Ok, alors c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais... J'ai réussi du premier coup, ça c'est bien. Oh putain. Oh putain. Je comprends où est le stress, je comprends où est la logique, mais pour l'instant, je trouve que les doubles sauts permettent beaucoup de possibilités pour éviter les piques et tout ça, non? Je vais passer comme ça, non? Et là, juste à sauter... Oh putain, c'est facile. Ce mot que je vais regretter, je sens. C'est facile, en fait. Oh putain. J'arrête pas de dire oh putain. Mais ça passe. Serait-ce le mot le mot magique depuis le début qu'il fallait dire? Non, je vais pas dire ça, puis sinon après les gamins ils vont dire tout le temps oh putain, et les parents ils viennent me voir en convention et me disent oui, Farod, vous êtes vulgaire, tatata, vous apprenez vite. Oh, il se fait porter là par le petit oiseau. Quoi? Mais j'ai essayé de sauter avec l'oiseau, qu'est-ce que tu me racontes? Quoi? Tu me fais recommencer depuis le début, mais qu'est-ce que tu me racontes? Quoi? Alors en fait, l'oiseau il me porte et j'ai bien compris qu'il fallait aller soit vers le haut, soit vers le bas, mais j'ai pas bien compris si c'était avec des sauts. Yes, je suis totalement loupé. Oh, ça rend bien le rouge, putain, je suis tellement heureux de ce nouveau décor. J'espère qu'il vous plaît, parce que moi, croyez-moi, je crois que chaque vidéo aura un décor différent, et ça, c'est tout bonnement magnifique. Allez, on va rigoler. C'est le moment où on va se faire casser la gueule par un petit connard. Ah, d'accord, oh, d'accord, on peut pas monter, en fait, il suffit... Ouh là là. c'est légèrement difficile, en fait. Oh là là. Je tremble du pouce. Mon pouce est en stress, je le sens. Je suis pas bien. Je suis en train de faire un arrêt du pouce. C'est comme un arrêt cardiaque, mais avec le pouce. Je te jure, je suis pas bien. J'ai mon pouce, il a la tremblote. Il est en mode... je veux pas faire ça, non. Oh putain, c'est la fin. Oh putain. Je veux plus refaire. Ce level-là, je veux plus refaire. Oh putain. Oh putain. Ah, quoi? Est-ce qu'il va falloir sauter? Ah! Putain, espèce d'enculé, tu m'as pas dit s'il fallait sauter ou aller à droite, à gauche! Oh non, je veux pas le... Oh non. Ah putain, je stresse parce que du coup, c'est le fameux moment où je sais pas ce qu'il faut faire. Je tente le saut. Ah, c'est ça. Et je peux pas tourner, ok. Non, je ne jetterai pas mon téléphone. Je ne jetterai pas mon téléphone. Je ne veux pas en arriver là. Non, surtout pas. Oh non, je veux... J'avais oublié cette histoire de gameplay, je voulais pas le refaire, non! Y'a mon téléphone qui chauffe. Je sens que mon téléphone est en train de chauffer. Je sens que ce jeu demande extrêmement beaucoup de ressources à mon téléphone, ce qui est normalement pas normal, parce que j'ai un téléphone dernier cri. J'ai le S10 Plus, ce qui est assez balèze comme téléphone. Du coup, Nico, pourquoi ton jeu il me fait... Attends, ta gueule, parce qu'en fait c'est le moment le plus dur du jeu, là. On va voir si j'y arrive. Putain, j'ai réussi! Ça en fait un, on y croit pour la suite. Putain, j'y crois en fait! Oh putain! Et ça passe au rat! Putain! Allez, on y croit! Faut pas se laisser faire! Putain, si jamais il y a un moment où ça prend de la rapidité, mais Nico, je me désabonne de ta chaîne YouTube! Putain! Je stresse! Oula! Il est pas loin! J'ai juste peur qu'il comptabilise pas un de mes sauts un jour! Ah putain, il est séparé d'un peu plus loin, mais il est plus loin, je me suis fait avoir, putain, mais ça dure 1000 ans, je vais pas te retourner là-bas. Il y a un putain de montage vidéo, et ça vous le voyez pas parce que c'est cuté, mais ça fait 1000 ans que je joue. Il est quelle heure? J'ai juste à faire ça pour vous voir l'heure qu'il est. Il est 5h20. Et c'est reparti pour l'histoire du wagon.
qui va se passer, c'est que j'arrête en fait. Ah, c'était vraiment intéressant, c'est vraiment bien amusé, merci. Je m'arrête là et voilà. Cette fois, je l'assume pas le Rage Kit Simulator là. Rage Kit Simulator, voilà, je l'ai appelé Rage Kit Simulator, c'est très très bien. Et sinon, on fait comme si ce jeu sur smartphone n'avait jamais existé parce qu'il est extrêmement difficile et dur à prendre en main. Et on regardera tous ensemble des vidéos de d'autres youtubeurs qui joueront à ce jeu et qui très probablement le termineront parce que eux, ce ne sont pas des grosses merdes comme moi. Il a sorti son jeu aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des youtubeurs qui ont déjà. Il y a des speedruns du jeu, oh là là. Ouais, il y a déjà des gens qui ont testé. Putain, il y a tout le temps ma tête, c'est fou. Il y a déjà des gens qui ont testé le Rage Simulator de Nico, qui l'ont terminé peut-être. Speedrun, tourné à la rage dans un hôtel. Tu sens que le mec était complètement en vacances. Comment tu t'appelles? Cupcake Chanel. Le mec était totalement en vacances et il s'ennuyait de ouf, il savait pas quoi faire et il s'est dit, allez, je vais jouer à ça. Du coup, ah bah tiens, c'est exactement l'endroit où je me suis arrêté, le niveau des wagons. C'était, en plus, il me restait deux boules, vraiment, il me restait ces deux seules boules, et je crois que c'est la fatigue liée au stress, liée à l'anticipation qui m'a fait totalement péter un câble. Et du coup, t'arrives où? Ah, t'arrives à la fin, en fait, c'est juste là, la fin du level était là. Qu'est-ce que c'est que ça? Vous avez débloqué le lance-roquette, ah oui, vous pouvez combattre le boss, évidemment. Et du coup, tu vas au boss, et là, j'imagine qu'il y a un méga combat qui se lance à base de lance-roquette. Ah, oh, que c'est dommage. On loupe une... Ouh, il court vite. On loupe une bonne séance de gameplay, là. Ah, d'accord. Tu attendais qu'il soit au sol, et là, tu l'enchaînes. Oh, putain, sa barre de vie, elle descend tellement vite. C'est prévu par le jeu, ça. Tu l'as défoncé. Tu m'as eu. Mais on se retrouvera un jour. Parole de lapin. Et là, du coup, tout le monde te dit bravo, tout le monde te dit que t'as gagné, nanana. Et donc, nous étions effectivement à la fin du jeu, nous étions juste à la fin. Alors, c'est effectivement un rage kit. Voilà, je m'en veux. J'étais très mauvais, j'étais très nul ce soir, je suis désolé. Ça m'apprendra à tourner des vidéos aussi tard. C'est la troisième vidéo d'affilée que je tourne aussi tard. J'ai vraiment un rythme de vie qui est influencé à cause des lives. En fait, quand je termine un live, je vais tourner une vidéo juste après. C'est vraiment pas une bonne idée. D'ailleurs, venez en live, des fois, on fait des jeux cool. Mais bref, on s'arrête là. Est-ce que je mérite pas des pouces rouges pour ne pas avoir terminé cette vidéo? Hein? Non, s'il vous plaît, le faites pas, parce qu'après, l'algorithme de YouTube considérera que je fais des vidéos mauvaises, et il me mettra plus en avant et je vais me faire défoncer. Bref, du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. On va laisser le fond rouge pour la fin de la vidéo, mais promis, dans la prochaine vidéo, il y aura d'autres couleurs qui apparaîtront. Moi, je vous dis bonne nuit, parce que je vais aller faire dodo, ou alors je vais me mettre au montage direct de la vidéo, je sais pas. Bonne nuit, et à très bientôt sur YouTube pour de prochaines vidéos. Bonne journée, bonne soirée, bisous, et ciao!